Salut à tous les gars, aujourd'hui petit message. Alors je vais installer un serveur Discord dans quelques temps. Donc comme ça je vais vous répondre à toutes vos questions. Car j'ai bien vu que dans les vidéos crack des fois ça galérait un petit peu. Et donc franchement je suis libre H24. Donc une fois que le serveur sera prêt, vous pourrez le rejoindre. Et puis et même je vous réserve des petites surprises. Donc là je laisse place à la vidéo et ciao. Bienvenue à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, retour sur Subnautica, évidemment. Ce jeu magnifique où l'on explore les fonds marins. Bon, la boîte a fait un petit rafut là, je sais pas ce qu'elle a fait pendant l'intro. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, nous allons commencer direct, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Vu que je commence vite le jeu comme ça, à l'improviste, bon, comme ça, c'est très bien. Ah oui, d'ailleurs, pendant votre absence, j'avais crafté alors la baie de véhicule mobile. En fait, j'ai toutes les pièces pour faire le Simote et la baie de véhicule mobile, ce qui évitera un gros moment d'attente. Et ça va vraiment vous faire chier sinon pendant toute la vidéo et ça va pas être très cool. J'ai décidé de le faire le Simote comme ça, au moins on pourra aller tout simplement faire notre habitat pour habiter tout simplement. Car on aura besoin d'aller sur une île dont je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, direct, bah, déjà, mes touches se sont réinitialisées, c'est très cool ça. Allez, super! Voilà, mes touches sont remises. Du coup, bah là, nous allons sauter dans les fonds marins. Voilà, hop. Et c'est parti. Sinon, alors, oui, c'est ça. Nous avons fait. J'avais fait la baie de véhicule mobile, du coup. Donc, nous allons la construire pour bah, construire le Simote. Tout simplement ce petit vaisseau du futur hein, qui va beaucoup nous servir dans notre aventure marine. Donc allez hop on fait 3 et puis on la jette cette putain de baie avec mobile. Yeah. Et là vous voyez très bien qu'il y a un petit menu où il y a un petit simote tout prêt, tout frais, qu'on va construire dès maintenant. Si le truc, la baie avec le mobile veut bien, car il se peut que ce soit pas assez profond. Ah si, c'est bon. Le simote, voilà. Oui, la nage est bonne pour les muscles, mais quand tu vas 2-3 km au fond, c'est un peu moins bien. Donc voilà quoi. Bon, nous avons notre simote enfin. Et ça fait plaisir. Donc, petit vaisseau qui va assez vite. Donc franchement, il faudra se dépêcher d'avoir le... Comment dirais-je, le rechargeur de batterie. Parce que là, ça va être chaud, ça va bien consommer. Oui, ouais, il faut carrément le rechargeur de batterie. Sinon, je vais devoir faire 36 batteries. Bon. Du coup, alors, notre plan pour aujourd'hui, c'est d'aller, alors, faire notre constructeur d'habitat. Donc déjà, alors, soit je le fais, ou soit j'attends un peu. Franchement, on va déjà explorer l'île tout au fond. Déjà, je vais grailler un petit peu là. Je vais grailler là. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Voilà, et puis. Bon, je sais pas ce qu'il fout le rôdeur ici, mais. Yes. Quoi? Ah, il s'est échappé le petit filou. Hein. Le goûter. Wouah. Eh, vas-y, j'attrape plus rien. Bon, c'est assez chiant les rôdeurs. Bon, allez. Donc, on va faire notre petit miam-miam, notre petite nourriture. Hein. Voilà. Hop. Deux, trois fauchons, j'ai chopé, je crois. Ouais, un, deux, pardon. Bon, du coup, nous allons construire directement notre constructeur d'habitat. Au pire, on va faire ça. Donc, alors, il nous faut pour notre constructeur d'habitat kit de câblage, pile, circuit intégré. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Eh ben, c'est la crise, voilà. Ah oui, au moins, on a des ors, kit de câblage, cuivre. Attends, c'est marqué quoi? Kit de câblage, cuivre, pile. Donc une pile, donc il faut un minerai de cuivre. Ok. Donc nous allons aller chercher notre minerai de cuivre tout simplement. J'ai bien peur que nous allons avoir plus de piles. Merde. Bon, c'est pas grave, on va en construire une autre plus tard. Bon, hop. Ah, il veut pas, hein? Oh le petit. Bon. Petit minerai de cuivre. Où es-tu? Si l'autre il veut pas chier de l'acide, je vais passer. Bon, allez. Et hop, je sais, je suis un peu plus dynamique aujourd'hui parce que tout simplement j'ai fait la vidéo un peu plus tôt, hein, car l'autre jour j'ai fait vraiment défoncer, mais clairement, minuit ou je sais plus quoi, laisse tomber. Hein. Épisode, on s'endort devant, je pense. Enfin, c'est pas grave,
J'améliore les qualités de vidéo au fur et à mesure des épisodes. C'est toujours cool. Bon. Bah, et franchement, j'ai un problème de souris aujourd'hui. Je veux plus bien détecter tout. Bon, heureusement que je joue à pas un FPS, parce que sinon, ça va bien casser les couilles. Hop, un petit quartz, ça fait pas de mal. Oh. Yeah, notre petit minerai de cuivre des familles. Donc nous allons faire au pire en même temps notre petit minerai d'argent qu'il nous faut pour le kit de câblage, tout simplement. Car deux minerais d'argent égale un kit de câblage. Donc en vrai, ça va, c'est le plus simple des kits à faire. Donc là, nous avons quoi? B-Avécule mobile. Ok, je n'ai pas besoin de cela. Bon, il me faut une petite pierre lisse. Petite pierre lisse, où es-tu? Où es-tu, ma petite pierre lisse? Bon. Oh putain, je sais pas ce que c'est ça. Bon, c'est pas grave. On va remonter direct parce que sinon, on va pas pouvoir bien chercher. On va être stressé de ne pas mourir. Franchement, ce Multica, j'aimerais bien l'essayer en VR. Franchement. Par contre, c'est un truc qui va te donner la gerbe, je suis sûr, là. Où es-tu? Bon, il faut mieux observer, déjà. Et je pense qu'il est dans les profondeurs. Il y a des petits minerais de minerais d'argent dans les profondeurs. Pas ici. What? Qu'est-ce qui s'est passé? What? What the fuck? Oh my god! Oh. My. God. Oh. Attends, je me recule. J'ai réflexe de reculer parce que là... Oh. Oh. Magnifique. Ok, bon, c'est magnifique, peut-être pas, j'avoue. Combinaison anti-radiation. Bah ouais, tu m'étonnes, là. si tu veux pas te prendre plus de 24G dans la gueule, faut mieux pas rester ici. Ah, yes, une petite pierre lisse. J'ai pris un petit minerai d'argent, un petit truc d'or à la place, mais bon. Il nous faut une autre... Yeah. Un petit plomb, forcément, allez. Bon, ah, des méduses. Bon, on va les scanner, javelon pendu. Il me semble que ça donne rien. Ah tiens, on va essayer de les découper un petit peu, attends. Ok, ça fait rien. Bon. Alors. Nous avons coué. Bah, c'est pas les mêmes. Wesh, mais je l'ai pas déjà scanné, en fait. Non, c'est bon. Eh, franchement, il me fait des trucs bizarres, hein, des fois, hein, le jeu. Encore un plomb. Mais c'est un bordel. Et moi, je veux juste un minerai d'argent. Si j'ai pas le minerai d'argent, je pète un câble. C'est cool. J'ai un minerai d'argent. Donc, normalement, nous avons tout. Alors, nous avons l'or. Ouais, non. Nous avons tout pour notre constructeur d'habitat. Donc, allez, go. Oh putain, merde. Où t'es, petite capsule? Go! Aussi, nous avons pas mal de messages en cours, donc il faudra faire gaffe. On a la combinaison anti-radiation, c'est cool. Donc là, il nous faut pile, kit de câblage. Donc on peut faire déjà la pile et même le kit de câblage aussi. Hop, pile. Après, il nous faut quoi? Circuit intégré. Donc, circuit intégré, il nous faut quoi? Or, fil de cuivre. Ah, putain de merde. Il me faut deux petits minerais du cuivre. Bon. Il faut y aller. Alors. Où vous êtes, mes... Ah, yes. Alors là, on a vraiment un couloir, un tube de calcaire avec tout ce qu'il faut. Franchement, si vous voyez ça, franchement, foncez dedans. Il y a du quartz et du cuivre et tout. Donc là, nous avons deux minerais de cuivre. Ouais, c'est ça. Bon. Nous pouvons y aller. Et merde. Et merde. Ah. Ah yes! Ah yes! Nous avons une pile! Oh! Ah merde! Oh merde, je viens d'utiliser la pile! Ah non, 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 non! Non, bah non, nous avons une pile usée, alors, donc c'est bon. Enfin, non, c'est bon. non, ce n'est pas bon. Enfin, on verra. Il me semble qu'il y a un petit glitch pour avoir la pile pleine. Genre, tu fabriques un objet avec une pile vide, complètement à 0%. Et puis normalement, ton objet, il a 100%, comme si c'était normal.
On va bien voir tout ça tout de suite. Donc alors, on va mettre 4. Et voilà, énergie 100% alors que ma pile était complètement vide. Bon, écoutez, hein, franchement content. Elle se recharge tout seul. Ça, c'est le petit bug du jeu que je connais parfaitement. On sauvegarde, évidemment. Donc là, il nous faut... Ah oui, des bouteilles d'eau. Hop. Hop. Et franchement... Ah oui, un petit miam miam. Encore un petit poisson miam miam. Qui va se faire graille. Voilà, hop. On fait ça. Et puis, nous pouvons aller sur les îles, normalement. Allez, on sauvegarde. Hein. On sait jamais, la sauvegarde, c'est très important sur ce jeu. Surtout avec le courant que j'ai en ce moment. Hein. J'ai une petite tempête hier soir, là. Il n'a pas aimé le truc. Le courant n'a pas aimé. Donc alors, donc, normalement nous avons deux îles. Donc deux îles, alors, il y en a une ici, donc à l'opposé à l'avant du bateau, et une ici. Donc comment on les reconnaît? Alors je vais vous expliquer ça. Normalement on les reconnaît... Ah oui, vous avez le petit fabricateur d'habitat. Et là, normalement, si tu fais ça, hop. Et là, tu vois que le nuage, il passe à travers le truc. Donc, ça veut dire que c'est une île. Et là aussi. Donc, il y a une grande montagne là-bas. Et là aussi, là-bas. Bon, là, on est un peu plus loin que ici, c'est pour ça. Mais bon, notre priorité, c'est ici, à l'arrière du vaisseau. Car il y a une salle multifonction, hein, il me semble. C'est ce qu'on va voir. Donc, allez, hop. Déjà, on vérifie si je suis bien dans la bonne direction. Non, je ne suis pas dans la bonne direction. J'ai fait un petit looping. C'est cool. Bon. C'est tout droit. Allez, j'ai un... Go! Oh putain, je sens pas trop cet endroit, j'avoue. Il est assez vide, tout ça, même la lampe, elle sert plus à rien. Vive le jour, franchement. Parce que là, je vois rien en dessous, c'est assez flippant. Ah yes. Donc là, nous avons des petits flotteurs. Enfin, des petits... ils sont assez gros quand même, hein, on veut pas se le cacher. Bon. Franchement, je conseille pas d'aller en dessous pour l'instant. Hein. Nous allons pas aller en dessous, je sens la grosse bébête. Bon. Sinon, nous sommes arrivés sur l'île. Donc, l'île assez illuminée la nuit. Donc alors, nous avons des petites arbres, aussi des petits champignons il me semble, hein. C'est ce que j'avais vu. Ok. Énergie à la surface. C'est chelou ça en fait. Bon, alors nous allons faire 5 pour le scanner parce qu'il faut bien scanner un peu tout, sinon ça va me faire chier. Hein. Et au moins on a tout dans le menu, c'est pas mal, il pourra nous proposer à la fin d'avoir des ingrédients aussi. Ouais, on débloque des ingrédients, j'ai pas dit. Oh putain, je vais où là? Je sais pas où là. Bon. Ok. Plante Ming. Je sais pas trop ce que c'est. Touche pas. Vu la gueule du truc, je fais mieux pas trop toucher. On dirait. Eh, franchement, on dirait du métal tellement. Elle est pointue là. C'est quoi ça? C'est quoi ces feuilles hyper carrées? Ah ouais. Bon, ok, c'est Subnautica, hein, mais. C'est pas le jeu le plus réel au monde, mais quand même. Bon, on est sur une planète inconnue, faut le savoir. Donc le petit détail, on s'en bat les couilles, quoi. Bon. Oula, je prends le mauvais chemin, je crois, non? Où est le chemin? Oh merde. Attends. Il faut que je longe la montagne pour pas me croûter, sinon ça va faire mal. Bon. Le chemin, où est-il? Allez, là, c'est bon. Donc soit nous avons là, ou soit là-bas. Et nous avons une petite base en dessous. Bon, franchement, on va commencer par celle-là. On va pas se prendre la tête. Hop, hop, et on monte la montagne. Bon, franchement, belle vue qu'on a sur le vaisseau. Franchement, on se rend compte que le vaisseau, il est putain d'énorme. Genre, il fait une partie de la carte, hein, limite. Hein. Ouais, il fait un petit tiers de la carte, je pense. Bon, là-bas, c'est pas des îles, là-bas. C'est que des nuages, tout ça. Au début, je me suis demandé si c'était des îles, tu vois, mais... Mais en fait, pas du tout, je suis allé voir, et puis en fait, je me suis fait bouffer par un de ces trucs. Oh là là. Bon, porte étanche, pas mal. Alors, on va vérifier s'il n'y a pas de petits pads dehors.
Non. Oh. Ah oui, le projecteur, je me disais bien que il était pas dans mon inventaire. Hop, projecteur schéma. Bah, c'est cool. Bon, là-bas, on a rien. Petit PDA. Petite lueur bleue, j'ai vu. Oh, bac à culture, ah oui. On a le palmier, le bac à culture et plein d'autres plantes. On a l'observatoire, ça c'est cool. Parce que les plantes ont besoin de soleil. Si vous les mettez dans une salle multifonction, il me semble que ça va pas bien marcher. Allez, je me concentre. Bon. Allez. On va faire un auto-scan, tiens. Maintenez votre surveillance, signal vitaux. Oh, c'est cool. Donc là, il me semble. Ah oui, c'est ça. C'est ces petites plantes qui sont indispensables. Franchement, on va en emmener une parce qu'on va faire toute une cultivation. Enfin, on va. Cultivation, nouveau mot que j'ai inventé. On va tout cultiver, hein, clairement. Alors, il y a le palmier fougère. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, palmier fougère, ok. Bon. Ah non, champignon orange, j'avais fait, ok. Bon, il y a l'air d'avoir plus rien. Bon. On va voir aussi dehors un petit peu ce qu'il y a. Non, franchement, après, c'est du vide. Hein. Si je veux pas me croûter comme une merde. Oh là là. Et du coup, on va faire la. Bah ouais, on va faire ça, du coup. Hop. Comme ça, et après, on passe sur l'autre montagne. Go. Ok, un petit bac d'extérieur. Oula, c'est quoi cette merde? J'avais jamais vu encore ça. Attends, on va prendre au pire, au lieu du constructeur d'habitat, on va faire 4 sur le petit répulseur. Voilà, hop. Parce que là, l'araignée, je sais pas si elle est bonne, hein, tu vois, pour ce qu'on est. Ça dégage. Putain, mais pourquoi? Physiastase? What the fuck? Oh putain, je me fais bouffer pour une queue, mais une merde. Bon, j'ai l'air de bien résister à ça. Patate chinoise. Eh, va te faire foutre, sérieux. Attends. T'as dégage. Je pense qu'elle est morte là. Hein. J'espère. Hein. Patate chinoise. Allez, go. On a ça. Putain, j'ai entendu encore un petit insecte là. Petit enculé d'insecte. Oh, tablette violette. What the fuck? Oh, le fils de pute, c'est quoi ça? Ah non, désolé pour les mots. Hein. Ah, salle multifonction, voilà, c'est ça. La salle multifonction est très importante. Ça va me permettre d'un peu tout classer, même me faire une petite chambre, tout ça. Franchement, on va se mettre très très bien. Voilà, un petit mur végétal, un petit rampant des cavernes. Ah, ça s'appelle comme ça, ok. Voilà. Bon. Nous avons quoi encore? Il y a un fusil à stase, ouais, je suppose. La petite musique en arrière-plan qui fait toujours du bien. Fusil à stase, ok. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce fusil. J'espère que c'est bien. Bon. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Ok, c'est par là. D'accord. Donc des fichiers à télécharger. On les télécharge. Pam, ultra glissante. Enculé, dégage. Ok. Ah, tu fais moins le malin, connard. Hein. Désolé pour les mots, mais franchement, hein, c'est ultra chiant. Inventaire plein, merde. Putain. Ok, j'ai plus de place. Bon, c'est pas grave. Ah, il faudrait voir s'il n'y a pas des plantes qu'on pourrait cultiver. Alors, il y a les palmiers là-bas qu'on a. Ouais, franchement, je crois que c'est tout. Hein. Franchement, on a que ça ici, j'ai l'impression. Oula, toi. Putain, et franchement, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils me veulent quoi? J'ai fait quoi? Bon, allez, hop, on se casse du coup. Donc, il nous reste une salle. Enfin, oui, une salle, on dirait. Et hop, alors. Ok. Bon, moi je suis le chemin, la vérité. Je me pose pas trop de questions. Je vais me perdre. Ah, petit champignon. Bon, okay.
Franchement, je sais pas à quoi ça sert trop les champignons. Dites-moi en commentaire à quoi ça sert les champignons, parce que... je sais pas. Je pense pas qu'on en... Ah, Ouchette, t'as acheté. Ouais, je vais me renseigner. Alors, je vais me renseigner de mon côté à la fin de l'épisode. Et pour savoir si les champignons sont comestibles ou pas. Parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Et ce que j'ai vu pour l'instant, c'était que le petit palmier, là, orange, là. Ah oui. Pot à plantes composites. Pas mal. Un petit melon marbré. Pas mal aussi. Voilà. Bah, je crois qu'il n'y a plus rien. Ah. Journal vocaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is, oceans got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Bon, ok. Bon. Il reste sur l'île, apparemment. Bon, il réfléchit s'il y reste ou pas. Bon, ça, on va le savoir, je pense. Ouais, bon. Franchement, je sais pas ce qu'il y a. Bah, tiens, on va visiter l'île, du coup. Hein. Oh, parce que, franchement, au pire, quitte à faire ça. Hop, ouais, par contre, j'ai envie de descendre comme ça, là. Bon, on va descendre comme ça. Parce que c'est chiant, hein. J'assume, j'assume. Bon, alors... Il n'y a plus... J'ai l'impression que c'était le vide intersidéral. Franchement, à part des petites araignées, c'est franchement le paradis pour eux. Hein. Du coup, Marguerite, si tu veux t'installer, franchement... Panier à verre? What? Panier à verre? À verre? Tu fous ton verre de... Non, 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 franchement, ça s'écrit pas comme ça, mais... What the fuck? Verre de terre? Je sais pas. Verre de poésie, peut-être. J'en sais rien. On visite un peu toute l'île, hein. On se promène tranquillement. Oh. Ah, il y a un creux dans l'île, ok. Franchement, c'est trop naturel. C'est bizarre. Ouais, bon. Oh. Des bacs. Bon, oh merde, je suis coincé. Super. Allô. Where is? Ouais, j'aime pas cette musique là. Pourquoi ils nous foutent cette musique de l'alien là? What the fuck? C'est ce qu'on avait vu ou pas? Moi, ouais, je sais pas. Hein. Bel océan. Hein. franchement, si je m'aventure trop, attends. Ouais, fouille l'île d'en dessous. Oh putain, j'ai cru que c'était un énorme dinosaure. Hop. Ah, j'ai trop flippé. Bon. On n'a rien de spécial, à vrai dire. En dessous de l'île, à part des putains de flotteurs. C'est tout ce qu'il y a. Et des roches qui tombent, ok. Bon. Bon, d'accord. Sinon, ah oui, j'étais passé par un passage tout à l'heure. J'étais passé par ici, tiens. Par ici, y'a quoi? Bah, y'a rien. Ok. et sinon, à côté... Ouais, j'étais passé par un petit creux, et ça allait m'emmener quelque part. Attendez un petit peu, hein, parce que là... il faut fouiller tout dans la vie. Hein. Voilà, comme ça, là. Voilà. C'est ici que j'avais vu. À part si on se retrouve... ok, on se retrouve ici. Franchement sympa. Petite caverne tranquille. Sympa, sympa. Et hop, 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 hop. Et alors?
Un autre creux? Ok. Il y a quelque chose ici? Pas du tout. Je visite toute l'île, je fais tout le tour de l'île pour être sûr qu'il n'y a rien. Oh putain, non, non, connard, toi. Hop, ça dégage. Voilà. Ah, il veut chercher la merde. Hein. Ouais, franchement, rien de spécial. Ok, ah, du coup, on va retourner au Simot, hein. Et puis, nous allons construire notre habitat, du coup, parce que nous avons la salle de multifonction. Et puis, notre... bah ouais, salle multifonction. Hop. On pourrait visiter la deuxième île. Ouais, on pourrait la visiter. À condition quand même qu'on passe à la capsule. Pour aller nous recharger un petit peu en eau. On n'a pas d'eau sur nous, je crois. Ouais, on n'a pas... Ah si. Oh, GG. Ouais. Ouh, ça fait mal ça. Allez. Et hop. Et puis, retour à la capsule. Bon, nous voilà à la capsule. Hein. Ouais, ce que j'étais en train de remarquer, c'est que la batterie, franchement, elle tient le coup. Hein. À peu près pour 250 mètres, t'es tranquille. 250 mètres de distance, c'est bon. Bon. Et franchement, c'est 5% de 250 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, assez satisfait de cette batterie. Franchement, je pense pas qu'on aura besoin d'en faire une autre. Ah, on a... Ah. Verre émaillé. Ouais, j'étais allé un peu vite. Et puis, nous avons... Bah rien d'autre, bon, allez, hop. Une petite bouteille d'eau, et nous allons construire notre truc d'habitat, hein. On en a bien besoin. Hop, déjà, alors, hop, déjà on va faire 4, voilà. Et alors, nous avons quoi? Nous avons une salle de scanner que nous n'avons pas encore. Ah oui, on a eu des fragments dans le dernier épisode. Et nous avons un observatoire, une salle multifonction qu'on va construire, je pense, en premier. Un projecteur, ok, ouais. Bioreacteur, ah! Décompose la biomasse, ah oui, ouais, la nourriture. Et puis, bac à culture, ainsi que bureau, chaise pivotante, chaise de commandement, ok. Franchement, le stuff est pas trop mal. Hein. On aura beaucoup plus de choix dans les prochaines découvertes. Hein. Déjà, il me semble qu'il y avait des lits aussi. Ouais, il y avait des lits. Il y aura beaucoup plus de choses dans cette catégorie divers. Il y aura des lits, des meubles, tout ça. Donc ça va être pas mal, des paillasses. Bon, pour l'instant, on va se préoccuper plutôt de la salle du fonction et de notre endroit où on va construire à la base, du coup, parce que c'est très important. Bon, alors. J'ai jamais fait une base à la surface, mais en fait, ça va poser problème si je la fais à la surface. Bon, alors. Franchement, ici, ça doit être cool, ici. Ouais, ça peut être cool, ici, là. J'avoue que ici ça me tente bien. Allez. Franchement, on va pas se prendre la tête, les gars. On va la faire ici. Bon. Hop. Franchement, un magnifique endroit. Alors, nous avons en plus nos tubes. Nos trucs. Une petite grotte. Hein? Ok, maximiser. Ok. Ouais, je vais faire une salle complètement pour. Pour les minerais et tout. N'oubliez pas que ce n'est... Attends, j'ai pas bien compris. Oui, ce n'est pas. Ouais, mais... Ok. Ah ouais, il veut déjà nous prévenir, hein, le petit. Hein. Bon, alors, déjà, pour entrer, il nous faut, bah, du coup, un quartz. Bon, franchement, on va le mettre ici, du coup, le tuyau, franchement. Parce que sinon... Voilà, hop. Voilà, donc à quoi ressemble la salle multifonction propre, hein. Évidemment, hein. Tout à l'heure, on l'a vu assez rouillé, hein.
Mais là, elle est propre. Bon. Là, il n'y a pas de courant, du coup, on récupère pas notre oxygène. Donc, il nous faut un peu de courant. Le courant, comment on va faire? Franchement, j'hésite. Franchement, un petit panneau solaire déjà de départ, ce serait déjà bien. Vous savez quoi? On va chercher le tube de corail là, de tout à l'heure. Et puis, on va chercher du cuivre. Et puis, du titane. Et alors, le tube de coraux, il est là. Voilà. Il nous faut un petit quartz. Voilà. Je me demande si les éléments, eh ben, ils se régénèrent, parce que c'est bizarre. J'espère pas quand même, parce que sinon à la fin je vais devoir aller à 15 km. Hop. Bon. Ça a l'air d'être bon pour le panneau solaire, non? Je me trompe. Panneau solaire, c'est validé. Ok. Donc nous allons aller à notre panneau solaire. Donc notre base est ici, je crois. Ah oui, il faudra poser une petite balise quand même. Hein. Car sinon je vais me perdre. Bon. Alors, panneau solaire. Ce sera pas très utile quand il fait jour, mais quand le jour se lèvera, on commencera à avoir de l'oxygène, donc c'est cool. Bon, alors, nous et vous. Voilà. Alors, je crois pas qu'on ait de... Non, franchement, on n'a pas d'électricité pour l'instant. Le jour va se lever, hein. Alors, franchement, je partirais apte pour faire une grande armoire en premier temps, déjà. Alors, soit on se fait une chambre directe. Ouais, franchement, on va se faire plutôt un petit stock d'entrée, tout ça. Même, ah oui, ouais, fabricateur. C'est ça que je voulais. Hop, donc le fabricateur, la femme est fabricateur. Hein. Et franchement, ça. Et on va les mettre en vitre. Voilà, et là franchement ça va être cool. Bon, alors, sinon, il nous faut deux titanes. Donc deux titanes faciles à trouver. Hein. C'est pas très compliqué. Ah, yes, le jour commence à se lever s'il met alimentation restaurée. Cool. Allez, un petit titane. L'épisode va peut-être durer un peu plus longtemps, mais franchement, c'est que du bon moment à passer ensemble, hein, les gars. On va prendre d'ailleurs la bête véhicule mobile. Maintenant elle appartient plus là-bas. Voilà. C'est clair, net. Elle est plus là. Sinon, bah tiens, on va prendre ça. Ah bah merde, inventaire plein. Il nous reste combien de cases? Une case. Bah franchement, on va bouffer bah ça. Du coup. Hop. Ah merde. Franchement, mineur de cuivre, c'est important en plus. Ouais, je sais pas, je suis débordé là. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Hop. Il me faut du titane, moi. Hop, du titane. Là, franchement, j'ai plus de place. Du coup, on va sacrifier un petit quartz. Parce que le quartz, on retrouvera ici de toute façon à la fin. Du titane, voilà. On a deux minerais de titane. On va pouvoir faire notre. Non. Devoir faire quoi déjà? Ah oui, notre armoire, voilà. Voilà, bon. C'est déjà un bon commencement, franchement, les gars. Voilà, déjà, on a de la lumière, c'est franchement déjà bien. C'est le minimum. Hein. On va se faire une grande armoire. Déjà, la grande armoire, elle est vitale, hein, si tu veux bien vivre. Hein. Donc, franchement, cette armoire, je pense qu'on va la réserver à tout ce qui est objet insolite. Comme cette plaque. Cette plaque qui est vraiment... ouais, on peut le dire. Et ma nourriture que je vais mettre plus tard dans les bacs. Voilà, c'est ça. Sinon, la balise. Ah oui, on va mettre une petite balise et on va enlever la capsule du coup, parce que la capsule va plus nous servir. Je vais juste reprendre, ah oui, ma petite, mes petits œufs. Ouais. Hop. Voilà, et on va faire base. En majuscule, comme ça. Oh. Et on va mettre un petit smiley. Voilà, un petit smiley qui ressemble à rien. On saura que c'est la base. Donc franchement, c'est cool. C'est carré. Donc là, si on veut mettre franchement notre vitre, nos vitres un peu partout, il nous faut du verre. Donc le verre. Allez, go le crafter. Oh, une petite dent de rôdeur. Yes.
Merde, non. Allez, je prends. Je suis content. Forcément, il y a un petit truc qui va m'emmerder. Forcément. Et j'ai l'impression que le quartz il disparaît, c'est moi ou c'est moi? Oh là là. Il nous faut tout simplement un autre tube de coraux. Hein. Si on veut avoir ce qu'il faut. Oh! 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 What the fuck? Attends, c'est combien de dents du rôdeur? Attends, mais mec, attends, j'en ai 400 là. Bon, allez, je pense qu'on en a assez malheureusement. Nous avons tout pris. On a combien de dents? Bah franchement, on va mettre tout dans la case, hein, du coup. Capsule 1, ouais, c'est ce qu'on avait craft le jour. Franchement, les dents du rôdeur, ça va nous servir, mais c'est assez rare quand même. Hop. C'est quand le gars il croque dans un petit objet. Il me semble que ça fait ça. Sinon, nous avons notre quartz. Donc pour. Alors, nous allons faire 4. Et pour une vitre, il nous faut. Alors. Verre. Ok. Donc il nous faut une verre pour une vitre. D'accord. Hop. 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 Verre. Bon, on va mettre tout en verre. Hop. Merde. Voilà, là franchement c'est beau. Bon, même si le paysage est pas top top, hein, on veut pas se le cacher. Ouais, là on a une belle vue par contre. Merde. Putain, je vais pas faire ça. Hop, voilà. Et puis. Oh ! Elle est meilleure, hein ? Franchement, on est calé là. Déjà, c'est bien exemplaire. Il nous faudrait quoi par exemple ? En vrai, un petit bureau, ouais. Petit bureau ici, quoi. Non, pas ici. Pas ici, ici. Un petit bureau ici, c'est sympa, avec une petite chaise pivotante, avec un petit titane, si j'en trouve un. Hein? Si j'en trouve un. Hein. Franchement, je suis sûr que je vais avoir assez de dents du rôdeur pour finir le jeu. Hein. C'est pas possible sinon. Hein. J'en ai eu je sais pas combien. Hop, un petit plomb. Ah oui, les plombs sont assez rares aussi. Donc franchement, gardez-les. C'est comme les titanes. Voilà, hop. Non, je veux dire les minerais d'argent et puis l'or. L'or, franchement, vous en aurez besoin à la fin. Donc là, on va se faire une base pépère. On a assez de place pour aussi... oui, notre baie avec mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la jeter comme ça. Voilà. Avec une mobile, elle remonte. Allez pour nous. Et puis hop. Donc là il faut transformer le titane. Le bloc de. Pardon de. Le débris métallique en titane. Et puis nous allons faire. Voilà. Voilà. Notre chaise. Donc chaise pivotante à 360 degrés. C'est toujours le meilleur. Hop. Franchement, j'avoue que ici, c'est pas trop l'endroit. Puis, je vais remettre tout dans ma poche. Oh putain, inventaire. Yeah. Attends, au pire, ce qu'on va faire, on va faire dehors. Hop. On va faire un peu de tri. Voilà, hop. Vous inquiétez pas, je vais reprendre tout ça. Hein. Hop. Parce que j'avoue que c'est pas trop l'endroit ici. On va remettre l'armoire un peu mieux. J'espère qu'il n'y a pas un putain de rôdeur qui va aller me piquer tout mon stuff. Voilà. Hop. Donc là, on a ça, on a ça. Le plomb, c'est assez rare. On va en garder juste 2. Et sinon, on n'a plus besoin de ça. Voilà, franchement, on est calé. Et puis, je récupère... Voilà, ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Il me semble c'est tout ce que j'avais. Tant que j'ai ma plaque violette là, c'est bien. Waouh, le lag. Désolé. Bon, je sais pas d'où ça vient le lag. Hein. Je crois que c'est le jeu complètement. C'est un petit patch qui devrait patcher tout simplement. Enfin, un petit bug, pardon. Eh, je parle mal ce soir, c'est incroyable. Bon. Et alors, franchement, nous allons faire quoi d'autre? On peut faire quoi d'autre? On peut faire notre aquarium et puis notre petite radio. Petite radio. On va en mettre une ici. Ouais, c'est bien. Comme ça, au moins, on a notre radio et on pourra communiquer.
Ah oui, voilà. Franchement, notre dernier objet qu'on va faire dans cette vidéo est le fabricateur de kits de soins. C'est un objet qu'il faut que j'ai. Et puis aussi, ouais. Ça. Voilà. Les pots en extérieur. Non, c'est pas ça. Intérieur, j'aimerais bien. Bon, sinon, on va se concentrer déjà sur ça. Donc, il nous faut un circuit intégré. Donc, circuit intégré, on se rappelle, or, fil de cuivre, échantillon de corail plat. C'est super. On a le cuivre, on l'a. Bon, allez, on va... non. Échantillon de corail plat. Donc, alors. Franchement, on va pas gâcher. On va mettre dans notre armoire ce qui est trop. Hein. Ce qui est de trop, on va mettre dans l'armoire. Parce que sinon, après, ça disparaît et... Ouais, c'est un peu du gâchis, surtout que ça se renouvelle pas. Bon, avant de faire ça, on va faire ça. Fil de cuivre. Et puis, circuit intégré. Donc déjà, on a notre circuit intégré. Il nous faut quoi d'autre ? Minerai d'argent et maille en fibre. Donc maille en fibre, c'est quoi ? J'ai une petite idée sur le sujet. Ah oui, c'est ça. Échantillon de graines d'orin x2. Ok. Eh ben, on va chercher une petite plante comme ça. Et puis, on va taper dedans. Voilà, hop, et normalement, on a ce qu'il faut. Voilà. Voilà, exactement. Et puis, il nous faut un minerai d'argent. Et après, le minerai d'argent, on pourra le faire. Et hop, alors, petit minerai d'argent. Iou, où es-tu ? Ah là, c'est bon. Ah non, je me suis payé un or. Une or, pardon. Mais c'est bien l'or, d'ailleurs. Alors. Bien observé. Faut pas aller trop vite, hein. C'est vrai que ça peut facilement nous prendre la tête. Le rôdeur, j'ai pas déjà scanné, déjà, en plus. Moi, j'ai l'impression que le jeu, il bug quand même. Hein. Oh, putain, ça m'a fait flipper. Hein. J'ai cru que j'allais l'éviter et j'allais me sauver, mais non. Je me suis fait bouffer. Un petit pied, c'est pas grave, hein. C'est naturel. Donc alors, où es-tu ? Il n'y a pas une petite pierre. Bon, allez, on va prendre une minerai de cuivre. Ça fait pas de mal. Oh, une base. Oh my god. Une base. Et là, il y a une base. Yes. On est... Ah ouais. Je sais pas ce qu'il y a, par contre. Il y a quoi ici ? Bah tiens, on va prendre... Hop. On a eu du mal, hein. Bah franchement, au pire, on va remonter. Et puis, il faudra explorer la base. Donc, c'est à peu près 260 mètres de ma base, j'ai l'impression. 240 mètres de ma base. Ok. Et en partant de quel bout du vaisseau ? C'est la bonne question. Parce qu'il faudra que je retrouve la base. Ok. En partant du réacteur. Presque, ouais. Ok. Bon, en fait, c'est quasiment droit, tu vois. Donc, nous avons notre petit minerai d'argent. Donc, notre base, c'est bon. Il ouvre. Et hop, yeah. Ça, c'est magnifique, ça. Hop. Et puis, alors, pour finir, nous allons faire un bac d'intérieur. Donc, un bac d'extérieur où nous allons mettre toutes nos petites plantes qui nous permettront de manger. Voilà. Et donc. Ah, gêne les objets physiques sur place. Ah oui, c'est la grande bulle. Ah, c'est vraiment bien. Par contre, le magnétite, il est un peu paumé dans ma tête. Hein. Je ne sais plus du tout où il est. Bon, la combinaison anti-radiation, il faut vraiment la voir. Bah, justement, on va la voir. On va la craft, hein. Aujourd'hui. Hein. Nous avons notre bac d'intérieur. Franchement, j'hésite à faire une autre salle multifonction parce que là, ça va être chaud. Ah, franchement, ça va être chaud. Bon, au pire, on va faire... Ah ouais, c'est vrai ça. Bah attendez. Au pire, on va faire une autre salle multifonction en haut. Ah ouais, ça va être bien ça. Et hop, alors, nous allons prendre un petit titane encore. Et encore, hein. Le titane, c'est la life. Bon, allez, ça y est, je me paye. Merde, non, j'ai plus de vie en plus quasiment. C'est bon ça.
Putain, et je me paye que des minerais de cuivre quand je ne veux pas le minerai de cuivre. C'est incroyable. Ce jeu, il se fout de ma gueule. Bon. Quartz. Voilà. Et puis, ah bah tiens, on va pouvoir construire aussi notre vitre. Je voulais la construire depuis tout à l'heure. Alors, ma base. Allez, allez, là. Voilà. Ah oui, aussi, il nous faut des fauchons. Voilà. Hop. Et hop, c'est calé. Alors, on va se faire de l'eau. J'espère que j'aurai assez de batterie pour tenir la nuit, parce que pour un petit truc, c'est 5 à chaque fois. Ah ouais, c'est pas donné, hein, question électricité, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'ailleurs? Oh, je suis con des fois. Ah ouais, du verre pour la vitre. Hop, petite vitre. Des familles. Voilà, nous avons notre vitre. Et puis, la salle de multifonction. C'est cela que je voulais. Six titanes. Est-ce que vous savez pas? C'est qu'on peut en faire une sur le dessus. Sauf qu'il faut démanteler le panneau solaire. Ce sera temporaire, hein. On va boire. On va boire, voilà. Parce que ça pue la merde, sinon, pour nous. Et hop, on peut superposer deux salles multifonctions. Oh merde, ça c'est comme ça. Voilà. Et ça c'est cool, on va mettre une petite échelle qui monte tout au milieu et ça va être parfait. Oh merde. Ok. Ah, faut faire très attention à l'intégralité de la coque. Merde, j'ai perdu toute mon électricité alors? Oh non, pitié. Bon, on refait le panneau solaire. Ok, super. L'habitat étant hors fonction à cause de moi. On sauvegarde. Bon, on va faire une échelle. Hein. Une échelle, oh, titane x2, merde. Bon, il nous faut un petit débris de merde. Où es-tu, petit débris de merde? On prend le petit débris de merde. Des merdes. Allez, bon. Oh, franchement, il nous faut des pochons hein, pour nous revive un petit peu. Je vais vider les océans des pochons. Hein. En voie de disparition, me demandez pas pourquoi. Hein. Ce n'est pas du tout moi. Hein. Non, non, non. Je respecte l'écosystème. Pas du tout. Pas du tout. Je bouffe les animaux. Je suis atroce. Atroce. Bon. Ah oui. Là, nous ne pouvons plus. Du coup, on va faire ici. Hop. On va faire de l'eau. Voilà. Hop. Encore de l'eau. Ah oui, j'ai 4 pochons, je crois. Ouais. Oh, j'en ai grillé pas mal. Bon. Sinon, alors, combinaison anti-radiation. Donc, il faut. Ouais. Donc, donc 4 graines d'orine. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Bon, ce n'est pas grave. On va y aller. On va y aller. Et puis après, je pense que l'épisode va se terminer sur ceci. Une fois que nous aurons la combinaison anti-radiation, nous allons visiter dans le prochain épisode. J'ai une petite idée sur la langue. L'aurora. Donc l'aurora qui vient d'exploser hein, tout à l'heure. Et ça va être cool, hein, vraiment. Hop. Merde. De toute façon, j'ai plein de bouteilles d'eau, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, on va faire notre petit maille de fibre. Là, c'est un petit filet qu'on arrive à faire avec des petites feuilles, des petites plantes. Franchement, le jeu est pas mal imaginé, hein. Mais c'est ça qui donne un petit charme au jeu. C'est facilement... Non, il est facilement ce jeu dans le top 3 des jeux que j'ai fait dans ma vie. On a les palmes. Bon, en fait, on a tout. Ah, voilà. Yes. Et là, franchement, ça va être cool. Et là, par contre, il nous manque des palmes. Donc, on pourrait prendre des palmes du genre palme ultra glissante. On peut, hein. Ouais, franchement, non. En vrai, on s'en fout. On s'en fout. Ah, par contre, 4% de batterie. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, si. Bah, tiens, j'ai un petit minerai cuivre. Hop.
Je vais faire ça. On va se refaire une pile, les mecs. Hein. Hop. Tant que j'ai pas mon chargeur de pile, je peux rien faire pour l'instant. Hop, voilà. On retourne là-bas. On retourne en Simot. Ma petite base, où elle est? Elle est là, derrière. Ah, je confonds à chaque fois d'endroit. Voilà. Oh. Ah, la lumière est allumée. Donc ça a repris l'électricité. Ah non, pas du tout. Je dis de la merde encore. Ouais, non. Des petites lueurs. Donc là, on va pouvoir faire notre échelle du coup. Voilà. Donc petite échelle, assez sympathique. Et nous allons pouvoir monter. Oh, le bug d'animation. Merde. C'est ce qui faisait du charme des animations, mais bon, c'est pas grave. Donc on va sauvegarder. Voilà. Donc j'espère que cet épisode sur Somnetica vous aura plu. Hein. J'ai vraiment bien aimé de le faire. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un bon épisode que j'ai fait. Une bonne avancée d'ailleurs. On a fait notre base, on a notre combinaison anti-radiation. Et nous allons directement aller dans le prochain épisode sur l'Aurora et fouiller et faire un bon stock de tout ce qu'on peut trouver. Et puis bah, moi, en vrai, je vous dis bah, ciao au prochain épisode, hein, le temps que la base se recharge. Ah bah, bon. Eh bah non.